Petit. Petit, le cerf. Petit, le servir à la salade folle de saumon, dit-il d'une voix souple. Mais non, mais non. Peut-il servir la salade? La salade quoi? Folle. Peut-il servir la salade folle de saumon? Peut-il? Peut-il servir la salade folle de saumon? Dit-il d'une voix souple? Mais non, ça c'est tendre, c'est joli, mais c'est pas souple. Comment diable fait-il cela? Eh bien, selon lui, une voix souple est le contraire d'une voix rigide, qui donnerait. Peut-il servir la salade folle de saumon? Dit-il d'une voix rigide. Impressionnant. Il voit une barre de fer devant lui. Il devient cette barre de fer rigide. Et quand il sent que toutes les cellules de son corps sont cette barre de fer, il n'a plus qu'à ouvrir la bouche et prononcer « Peut-il servir la salade folle de saumon ?» dit-il d'une voix rigide. Et pour la voix souple? Il voit un tuyau en caoutchouc. Elle devient ce tuyau en caoutchouc. Elle devient ce tuyau en caoutchouc. Et une fois qu'elle sent que toutes les cellules de son corps sont ce tuyau en caoutchouc, elle n'a plus qu'à ouvrir la bouche et dire une petite. Oui.